Arrivé en Côte d'Ivoire très tôt ce vendredi matin, Chakré Henk Samrin, le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, a été reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les deux hommes ont parlé de coopération. Demain, samedi 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme. Dans ce journal, nous reviendrons sur la marche des femmes sur Grand Bassam pour protester contre l'emprisonnement arbitraire de leurs époux par les colons. Et puis, l'actualité, c'est aussi la situation en Centrafrique. La Centrafrique, où l'envoi des casques bleus de l'ONU se précise de plus en plus. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de s'entretenir avec le premier ministre, Daniel Kablan-Duncan. La traditionnelle séance de travail a permis de faire le point des dossiers à l'ordre du jour du Conseil des ministres, qui se tiendra le mercredi 12 mars prochain. Par ailleurs, la semaine prochaine, le président de la République recevra la visite de plusieurs personnalités. Elles viennent de la sous-région ouest-africaine. Le lundi déjà, le chef de l'État recevra un émissaire du président gambien. Le mardi 11 mars, les présidents Yayi Boni du Bénin et Faure Gnassingbé du Togo. Mercredi 12 mars, le président du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta. Le jeudi 13 mars, le président ghanéen John Mahama Dramani et enfin le vendredi 14 mars, un émissaire du président de la République fédérale du Nigeria. Ce vendredi 7 mars, le chef de l'État s'est entretenu avec le ministre camerounais des Relations extérieures. Pierre Mokoko était porteur d'un message du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Enfin, le point avec Jérôme Kofi Yabolin. Le ministre des Relations extérieures du Cameroun a été reçu par le président Alassane Ouattara suite aux travaux de la commission mixte ivoiro-camerounaise qui viennent de se tenir en Côte d'Ivoire. Mais pour le ministre camerounais, il a surtout été question de remettre un message du président Paul Biya à son homologue ivoirien. À l'issue de cette audience, la joie, tant du côté de l'émissaire du président camerounais que de celui du président ivoirien, a été au rendez-vous. Le grand plaisir d'avoir la visite de mon jeune frère qui est à Abidjan pour la grande commission Côte d'Ivoire-Cameroun. Depuis plusieurs dizaines d'années, nous n'avions pas pu réunir cette grande commission, mais maintenant c'est chose faite. Nous allons véritablement densifier nos relations bilatérales, mais j'étais plus particulièrement porteur d'un message spécial du président Paul Biya à son frère. Président Ouattara, son frère et ami. D'abord, un message de prompt rétablissement. C'est une très vieille amitié qui lie ces deux grands hommes d'État. Donc, il s'agissait d'abord pour moi, ce jour, de transmettre ce message à Monsieur le Président de la République. Et le message d'amitié et de haute estime que le Président Biya a vis-à-vis de son frère, et son message de vœux de prospérité pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui se reconstruit à un rythme vraiment spectaculaire. Aussi, pour revenir à la commission mixte ivoiro-camerounaise, faut-il préciser que sa création remonte à 1981, c'est-à-dire il y a 33 ans, pour être plus précis. Avant la rencontre d'aujourd'hui, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier en audience le ministre d'État, ministre congolais de l'économie et des finances, chargé du portefeuille public et de l'intégration. Il était lui aussi porteur d'un message du président congolais, Denis Sassou Nguesso. Le reportage d'Awa Touré. Le ministre d'État congolais, ministre de l'économie et des finances, chargé du portefeuille public et de l'intégration, est venu transmettre au président de la République Alassane Ouattara les salutations et les vœux du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État s'est dit heureux de recevoir l'émissaire de son frère et ami, le président Sassou Nguesso. Nous en avons profité pour passer en revue les relations bilatérales qui sont excellentes entre les deux pays. Et monsieur le ministre d'État, je voudrais vous dire un grand merci vraiment d'avoir fait ce déplacement, transmettre toute mon amitié
au président et mes remerciements et que je souhaite bien sûr qu'il puisse maintenir la visite d'État qui est prévue en Côte d'Ivoire cette année. Nous sommes très honorés d'être reçus par Monsieur le Président de la République. Je suis venu porteur d'un message du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à son frère. Nous nous réjouissons de l'excellence des relations entre nos deux pays. Nous sommes encore dans la joie de la dernière visite du président au Congo. Non seulement il était à Brazzaville, mais aussi il est venu avec le président à Pointe-Noire. Et nous nous devons de venir ici à son invitation pour une visite d'État. Autour du président de la République Alassane Ouattara pour cette rencontre, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Diby Koffi, ainsi que les ministres de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Ali Koulibaly, de l'économie et des finances Kabanyalé et des affaires présidentielles Birahima Ouattara. Le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge effectue en ce moment même une visite de travail en Côte d'Ivoire. Chakre Heng Samrin est arrivé aujourd'hui même. Il a été reçu en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges se sont déroulés à la résidence du chef de l'État à Cocody et l'excellence des relations entre les deux pays a été évoquée. C'est la première visite d'un président de l'Assemblée nationale du Cambodge en terre ivoirienne. C'est pratiquement en fin de matinée que le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge et sa délégation, arrivés tôt ce vendredi, aux environs de 4 heures, ont été reçus par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en sa résidence sise à Cocody. La délégation cambodgienne, conduite par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori-Soro, entourée de quelques parlementaires ivoiriens. Les échanges, qui ont également enregistré la présence de quelques membres du gouvernement ivoirien, ont été l'occasion pour le président Alassane Ouattara et son hôte de parler des relations entre le Cambodge et la Côte d'Ivoire. Cette visite est la marque du rayonnement de notre pays. Nous avons parlé des domaines de coopération et les deux présidents pourront les approfondir. Vous savez, le Royaume du Cambodge est un pays très respecté et nous avons la grande chance que l'ex-roi, Sa Majesté Sihanouk, était un grand ami du président Félix Houphouët-Boigny. Je suis très heureux de pouvoir effectuer une visite au Côte d'Ivoire et d'avoir entretenu avec M. le Président en vue de resserrer et renforcer les liens de coopération entre nos deux pays. Outre la rencontre avec le président Alassane Ouattara, la délégation cambodgienne aura des entretiens avec d'autres personnalités ivoiriennes avant la fin de son séjour en Côte d'Ivoire, prévu dimanche. Et après s'être entretenu avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, s'est rendu au Parlement ivoirien où il a eu une rencontre avec son homologue ivoirien, Soro Guillaume. Une séance de travail qui s'est soldée par la signature de coopération interparlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Cambodge. Léon Prou pour les détails. Guillaume Soro, président du Parlement ivoirien et son homologue du Royaume du Cambodge, Chakre Heng, paraffant le protocole d'accord destiné à régir les relations interparlementaires entre leurs deux institutions. Ainsi, la Côte d'Ivoire et le Royaume du Cambodge pourront désormais échanger les stratégies appropriées au bon fonctionnement de leurs assemblées nationales. Seront également organisées au profit des députés et fonctionnaires des parlements des deux pays, entre autres, des formations continues, stages et séminaires. Au-delà de la coopération interparlementaire, cette convention, diront ces deux signataires, va influencer le développement de la Côte d'Ivoire et du Cambodge. Ce protocole cadre porte essentiellement sur la coopération entre les deux groupes de solidarité Cambodge-Côte d'Ivoire. Le Cambodge a eu une longue période de tragédie, a connu la guerre comme nous. Mais au-delà de ce fait tragique, le Cambodge est un pays agricole
qui produit du riz et nous pouvons avoir des échanges, de partenariat avec ce pays. Cette convention, fruit de la diplomatie interparlementaire qui a conduit Guillaume Soro au Cambodge en novembre dernier, est signée à l'issue d'une séance de travail pour cerner la composition, le fonctionnement et les attentes des parlements ivoiriens et cambodgiens. Une séance de travail à la suite du tête-à-tête entre Guillaume Soro et Chak Reang, après que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a accueilli son homologue cambodgien avec des honneurs militaires. Et Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, s'est entretenu hier jeudi avec l'émissaire du président du Congo-Brazzaville, Gilbert Ondolo, ministre d'État, ministre des Finances. Au cœur des échanges, le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le ministre des Infrastructures économiques ont visité aujourd'hui le chantier d'adduction en eau potable à Benoît. Les travaux se déroulent en deux phases. Cette station de traitement d'eau devrait aider à mettre un terme définitif au problème de pénurie d'eau rencontré par les populations. C'est ce que nous explique Maïsako. Benoît, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ici que verra le jour dans quelques mois la station qui va permettre d'approvisionner en entier la ville d'Abidjan en eau potable. Les travaux débutés en août 2012 à l'initiative de l'État de Côte d'Ivoire avancent bien, selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, en visite sur le chantier ce vendredi. Pour le financement donc de ce dossier, c'est à peu près 5 milliards de francs CFA qui sont donc prévus pour ce chantier. Que ça permettait donc de couvrir certainement les besoins de Port-Boué, de Marcoury, de Trècheville et Commancy, bien sûr. Plus de 400 personnes travaillent sur le chantier. La première phase des travaux est réalisée à 40%. De tous ces chantiers, le chantier le plus important, celui qui va apporter le plus d'eau, c'est le chantier que l'on vient de visiter avec le Premier ministre, qui permet à partir de Benoît, la nappe de Benoît, de produire 80 000 mètres cubes d'eau chaque jour pour les habitants de la ville. Les quelques difficultés qu'il y avait sont levées et le projet devrait se dérouler selon son cours normal pour s'achever en décembre 2014, conformément donc au délai fixé par le chef de l'État. Dans 9 mois, 2 millions de personnes n'auront plus de soucis à se faire pour avoir accès à l'eau potable à Abidjan. C'est demain, samedi 8 mars, que sera célébrée la Journée internationale de la femme. Thème retenu pour cette célébration en Côte d'Ivoire, les femmes au travail pour les objectifs du millénaire, pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'objectif du gouvernement ivoirien, consolider la cohésion sociale, mettre en place une stratégie efficace pour la promotion de l'autonomisation de la femme. Et c'est la ville de Grand Bassam qui va accueillir les festivités. Serge Collier. Au centre de la célébration de la Journée internationale de la femme, le bilan des acquis. Pour la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, en ce qui concerne la condition de la femme, des progrès ont été enregistrés dans les domaines de l'éducation et de la santé. Pour Anne-Désirée Ouletto, des efforts sont déployés pour permettre aux femmes, surtout celles vivant dans les zones rurales, de se prendre en charge. La commémoration de la GIF 2014 constitue une belle occasion pour ouvrir les sillons de réflexion et développer des stratégies permettant d'accroître un plus haut niveau d'engagement et d'implication des femmes dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et conséquemment dans l'émergence de la Côte d'Ivoire telle que projetée par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. C'est dans ce cadre que le Conseil national de la femme a été institutionnalisé et sera bientôt installé par le président de la République afin de donner un coup d'accélérateur à notre politique d'égalité des chances, d'équité entre l'homme et la femme. L'augmentation du montant alloué au Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, créé par Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, afin d'aider les femmes les plus démunies.
Grand Bassam, vous le voyez, n'a pas été choisi par hasard pour les festivités. Vous vous en souvenez certainement, en décembre 1949, des femmes dont les époux ont été emprisonnés par les colons ont marché pour leur libération. Une marche qui aura donc marqué l'histoire. Ces femmes sont exemples de combativité, un exemple qui inspire les femmes. Gabrielle Zani pour le rappel de mémoire. Grand Bassam n'est pas une ville ordinaire. Elle fut la première capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900. Son histoire est chargée de douleurs, de frustrations, mais aussi de triomphes pendant la période coloniale. Et l'un des triomphes qui se raconte dans les livres d'histoire est la marche des femmes sur la prison de Grand Bassam. Tout commence par l'emprisonnement d'hommes politiques. Mathieu Ekra, Jean-Baptiste Moki, Bernard Dadier, Lama Camara, Seri Kori, tous accusés de complot. Âgé aujourd'hui de 78 ans, André Raji, fils d'Anne-Marie Raji, l'une des pionnières de la marche, un l'un des témoins privilégiés de l'histoire. Quand on nous avait arrêtés, ben, maman m'a fait part. Ah, on a arrêté tonton Moké, on a arrêté tonton Ekra, William. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, ah, je t'expliquerai ça tôt ou tard. André Raji, âgé alors de 12 ans, servait de messager entre les détenus et leurs compagnons de lutte. On ne me fouillait pas. Donc je rentrais, je donnais la nourriture et moi je recevais des petites enveloppes, des petits papiers, des machins que je venais transmettre à ma mère. Anne-Marie Raji, Marie Corée ont pris les devants les 22, 23 et 24 décembre 1949 pour faire libérer leurs époux, arbitrairement emprisonnés par le gouverneur Péchou. Le point de ralliement des femmes était cet endroit où se trouve aujourd'hui le rond-point de Grand Bassam. Les conséquences de cette initiative ont été sans appel. Compte tenu qu'elle voulait traverser avec les autres dames, elle avait eu des crosses à la nuque, ou même elle a été opérée, même elle a même montré que ce sont les crosses des gardes qu'elle a reçues, des jeux de sable avec la pompe et ainsi de suite, qu'ils ont reçu plein et tout. Les femmes étaient... Vraiment, elle m'a expliqué... De long à large, il y a eu beaucoup de femmes même, qui étaient même torse nues. Et qu'il y a eu même d'autres, Madame Seri Koré qui a été battue et ainsi de suite, arrêtée par le commissaire et puis l'administration Beretta qui donnait des ordres à maltraiter les femmes. Et... Du rond-point en passant par le pont devenu du fait de l'affrontement pont de la victoire, les femmes devaient se rendre ici, à la prison de Grand Bassam. Une prison construite en 1900. Pour André Raji, et selon la suite de l'histoire, c'est la pression des femmes qui a fait céder le gouverneur Péchou. Sa mère et toutes ces femmes sont pour lui des exemples de détermination et de combativité. Le 8 mars 2014, c'est dans cette ville, à l'histoire coloniale chargée de gloire et de succès de combattantes, qu'aura lieu la cérémonie officielle de la Journée internationale de la femme. Une célébration dont le but est d'honorer ces Amazones de la marche, mais aussi et surtout d'interpeller les femmes à lutter pour avoir leur autonomie. Et dans le cadre de cette journée internationale de la femme, célébrée donc demain 8 mars, Chantal Akandan, notre reporter, a rencontré une des premières femmes chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Son nom, Fatim Sylla, portrait. C'est dans les années 1963 que Dame Fatim Sylla a commencé à exercer dans le secteur de l'informel, notamment la plomberie sanitaire. Mais c'est en 1968 qu'elle va se lancer dans l'entrepreneuriat en créant l'une des premières sociétés d'impression. L'usine comprend plusieurs machines d'impression et emploie une centaine de personnes. Aujourd'hui, mère de famille et grand-mère, Fatim Sylla a su concilier vie de famille et travail. J'ai eu beaucoup de difficultés, rien n'est facile. Mais il fallait oser dans notre temps faire quelque chose. Je n'étais pas instruite, comme on peut dire. Nouveau CME1, c'était pas facile. Mais j'ai osé quand même entreprendre quelque chose. J'ai toujours travaillé très tôt. Le soir, je rentre, je m'occupe des enfants et je donne à ma joie au mari. C'est important parce que le mari ne doit pas être négligé. Il faut que la femme soit autonome pour pouvoir amener quelque chose à la maison. En plus de pouvoir contribuer au développement économique et social de son pays, cette chef d'entreprise a toujours été une femme autonome avec plusieurs casquettes professionnelles, ce qui lui a valu la reconnaissance de l'État. Elle a été ainsi élevée au grade de grand officier de l'ordre national. Je me suis battue à de haut et bas, ce n'était pas facile,
Des fois, j'avais des problèmes avec les ouvriers. Parce qu'à la fin du mois, il fallait les payer. Mes factures, je ne pouvais pas payer. À temps, je n'arrivais pas à payer mes ouvriers. C'est des difficultés à difficultés. Mais je me battais. Comme Fatim Sylla, elles sont aujourd'hui nombreuses, ces femmes, à bâtir leur réussite professionnelle en partant du strict minimum. Avec ces bâtisseuses qu'on trouve dans plusieurs secteurs d'activité, l'autonomisation de la femme est une réalité. La promotion du genre dans les armées, une réalité au sein du système de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. La première édition de la Journée nationale de la femme militaire et paramilitaire s'est tenue ce vendredi à la place d'armes du Kangalieni. Étaient présents Paul Kofi Kofi, le ministre en charge de la Défense, Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, la haute hiérarchie de défense et de sécurité conduite par le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des FRCI. Prise d'armes, démonstration technique, commando et défilé militaire ont constitué les temps forts de cette édition dont les thèmes étaient genre et armée. Nous prenons la direction de la France, précisément à Brest, pour parler de la vie des étudiants ivoiriens à Télécom Bretagne, l'école d'ingénieurs publics française. Des étudiants qui ont eu une rencontre avec une délégation de l'Institut national polytechnique au Fouette-Boigny de Yamoussoukro en mission dans leur école. Rencontre qui leur a permis d'évoquer les difficultés qu'ils rencontrent sur place. Le reportage de Marie-Laure Ngoran, notre envoyée spéciale à Brest. Étudiant ivoirien à Télécom Bretagne en France, Hervé Gaï, Serge Kouamé et tous leurs camarades venus de la Côte d'Ivoire se sont intégrés dans cette école d'ingénieurs publics française située à Brest. Ils sont environ une dizaine. Ils suivent une formation d'ingénieurs, de master ou de master spécialisé. J'ai atterri dans une région de la France où il fait beaucoup froid par rapport aux autres régions. Et ça, c'était pas facile. Le changement de culture aussi. Il fallait s'adapter à tout, la nourriture et tout. Mais comment sont-ils arrivés à Télécom Bretagne? Si certains ont bénéficié...